Coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et comment? Et Capi? On espère bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Vous êtes où? On est dans les coulisses du spectacle de William Harry Barr. Dans les coulisses du magicien? Oui. Waouh! Les copains et les copines, on vous emmène avec nous. Vous allez tout savoir. Enfin, peut-être. Allez, c'est parti. Et on rencontre les premiers abonnés qui ont fait le déplacement pour venir voir le spectacle. Alors, il y a les photos, il y a les autographes. Et t'avais carrément amené la photo? Wow! Toi, t'es le vrai fan, hein? Wow, super! On nous a même remis une petite enveloppe avec une photo trop mimi. On va ouvrir ça à la maison, je pense, parce que je suis pas certaine qu'on ait bien le temps là avec les personnes qui nous attendent, mais ça nous fait très plaisir en tout cas. Ah bah voilà! Là, on a quitté les coulisses. Venez voir l'impossible. Eh Néo, peut-être que c'est toi qu'on va couper en rondelles. Ça ira. On t'avait pas dit? En fait, c'est pour ça que t'es venue. Alors là, on est bientôt sur scène. Bientôt, hein. En fait, là, on est derrière, précisément. On est derrière le rideau. Regardez, on est dans l'autre sens. C'est là que sont les artistes avant de commencer. Et là... Tadam! Wow! Hey, hey! Mais il n'y a pas de spectateurs. Non. Mais alors? Vous faites les spectateurs? Ben voilà. Hey, vous avez la salle pour vous tout seul. Nickel. Bon, bah, il manque plus que William Harry Barr et on va pouvoir commencer. Oh, trop bien. Oh, waouh. Là, bien installé. Nickel. Alors, les garçons, vous êtes bien installés là? Oui. Vous êtes prêts pour le show? Oui. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a personne. Vous êtes tout seul dans la salle. Mais il n'y a personne, mais il n'y a personne sur scène. C'est normal? Ah, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ah! Le voilà. Le bonjour, voilà. Bonjour Néo. Vous allez bien? Bonjour Néo. Prêt pour voir le show? Ouais. En forme? Ouais. Oui, il y a quelques spectateurs qui vont se rajouter, je pense. Oui, je pense aussi. Dans quelques instants, la salle va s'ouvrir. Oui, on espère. On espère. Qu'il y aura un peu plus de monde que oui, nous. Oui, non, mais il y aura du monde. Là, ce sera plein, 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 plein. Bon. Et en attendant, vous voulez peut-être voir ce qui se passe derrière le rideau? Oui, moi je veux voir. Ah, mais attention, c'est secret. Hein. Ok. C'est secret. Et vous, vous le gardez pour vous également. C'est compris, les copains et les copines? On compte sur vous, hein? Allez, on va voir ce qu'il y a derrière le rideau. Allez, exceptionnellement pour un spectacle de magie. En plus, venez voir l'impossible. C'est un spectacle de magie. Alors, tout le monde a disparu derrière le rideau. Alors, qu'est-ce qui se passe justement derrière ce rideau? Ah, vous êtes là? Je me disais bien. Bienvenue dans les coulisses du spectacle. Il ne vous a pas fait disparaître pour l'instant? Pas encore. Peut-être que ça viendra, mais pas encore. Et là, vous avez par exemple l'une des illusions uniques du spectacle, parce que c'est venez voir comment il s'appelle le spectacle. Venez voir l'impossible. Venez voir l'impossible. Et c'est la magie à l'état pur. À l'état pur, exactement, bravo. Et du coup, ça, c'est une illusion par exemple qu'on a fabriquée, qu'on a fait fabriquer. Et wow. C'est. Oh, bah, c'est une. Regardez. Super. C'est une planche en bois avec deux tréteaux et on ne peut pas s'engager de l'autre côté. Attention au projecteur, on est en train de. Tout installé, regardez, passez de l'autre côté et on peut se voir dessous, on peut se baisser. Hop, là, et. Eh, je vous vois, hein! Et y a pas de trucage! C'est une planche en bois avec des tréteaux et tout le spectacle, les boîtes sont complètement transparentes, etc. Regardez, repassez par ici. Hop, là, on est vraiment dans les coulisses avec les projecteurs, etc. C'est en train de se mettre en place. Ah! Il y a même le rideau qui s'ouvre. Bah déjà, mais attendez, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Comment on va arriver? Ah bah ça se referme. Du coup, là c'est vraiment l'espace scénique où on fait le show et dans les côtés qui sont quand même assez secrets. Hein. Mmh. On a le matériel et les assistants qui se préparent pour les tableaux, pour les numéros que vous verrez tout à l'heure. Et si vous voulez, je peux vous emmener avec moi dans les loges. Alors ça, normalement, c'est vraiment très secret. Mais je vous emmène. C'est pas ici. Alors attention. Perche, attention, projecteur, celui-là il fait presque ta taille, tu vois. Ouais, regardez, un projecteur qui fait la taille de Swan. T'as vu? Venez avec moi, c'est la petite porte qui est juste là.
Tintin. Allez, on suit. Toutes les loges sont en souterrain en fait. Allez-y, descendez. Et c'est là qu'il y a une partie de mon équipe. Mais qu'est-ce que tu as trouvé là? Des bonbons. Oui, d'accord. Donc là, on est dans les loges et effectivement, il y a des réjouissances. Eh ben dis donc, ça s'en fait pas, hein. Ça, c'est pour avoir de l'énergie sur scène, bien sûr. C'est très important, l'énergie sur scène. Voilà, ça compte. Et là, c'est une vraie loge d'artistes pour se préparer, pour se maquiller, etc. T'as vu ça? Ouais. Ah, il y a les lumières, hein. Bon, elles sont pas toutes allumées, mais... il y a les lumières, hop. Voilà. Voilà où on se prépare avant le show. On n'a pas ça à la maison, nous, hein? Non, hein. Il n'y a pas de loge comme ça pour se préparer avant le show. Tu vas où, petit coquin? Regarde ça, il repart direct vers la boîte de bonbons, évidemment, le grand aussi. Alors ici, les copains et les copines, on a effectivement les coulisses. Alors vous voyez, là, c'est l'espace maquillage. C'est là qu'on va gentiment maquiller tout à l'heure, d'ailleurs, voilà. Alors, aux couleurs de l'association Orchidée. Parce qu'encore une fois, le spectacle est au profit de cette association. Là, c'est la suite des coulisses, alors bon... Effectivement, ce sont des loges, hein. Donc il y en a un petit peu de partout, il y a du monde qui passe, voilà, c'est ça, c'est le monde du spectacle. C'est le monde du spectacle, exactement. L'envers du décor, comme on dit. C'est pour ça qu'on ne demande jamais les loges habituellement. Ouais, mais là, c'est pour les copains et les copines quand même. C'est important. Le show va bientôt démarrer, on a un peu inversé les rôles en fait. On a juste un spectateur ici, et c'est vous les magiciens maintenant? Ça, oui. Ah bah allez, allez, vous faites le show pour William. On inverse alors. Non? Pas faire de magie. Oh, tu sais pas faire de magie? Non. Et toi? Bah pourtant vous avez pris des cours avec William. Quelques-uns, mais pas assez pour un spectacle. Je suis désolée, hein. Il va falloir que tu montes sur scène. Non, il n'y a pas de spectacle, il va falloir que tu t'en occupes. Bon bah. Allez. Il faut te dévouer. Et là on est où? Dans notre loge. Vous avez votre propre loge? Oui. On nous a mis ce bel espace à disposition. Pour nous préparer. T'as emmené ton sac hamburger? Qu'est-ce qu'il y a dedans? La nourriture. Le casse-croûte, bien sûr. C'est ça. Eh bien oui, parce que le show commence à 20h30. Et donc là, on a prévu le petit pique-nique. On va aller casser la croûte avec le reste de l'équipe. Tu manges la caméra, toi? Ah! Et un chocolat! Non, non, elle est pas encore au chocolat, Zella. Au secours! Vous êtes prêts? On va manger? On va manger. Swan aussi? Allez, hop, à table! Et tu vas remettre le paquet complet sur ce paquet-là. Ici, tout le monde fait de la magie. Tu vas mettre une carte. Même dans les loges. Et tu vas pouvoir retourner une carte de chaque paquet. Wow. Bravo. Là, c'est le grand moment. Le show va commencer. Et on part s'installer. Et là, il y a du monde. Par contre, c'est pas comme tout à l'heure. Allez, on s'installe. C'est bon, t'es bien installé? Ouais. Il va nous en mettre plein les yeux, il paraît. Hein. Bonsoir et bienvenue au spectacle Venez voir l'impossible de la Magic Harry Bar Production. Le spectacle va bientôt commencer. C'est parti. C'est maintenant à vous que je m'adresse. Ah, Néo a été convié sur scène du coup. Ah, viens, si tu veux t'asseoir. Mesdames et messieurs, je vous présente Néo.
tu as une image en tête? Oui? D'accord. Garde-la en tête. Je reviens vers toi dans un instant, ne bouge pas. Ophélie, pourriez-vous m'apporter s'il vous plaît une ardoise d'écolier? Merci. Néo, sur cette ardoise, je vais t'inviter à dessiner en quelques traits succincts l'image à laquelle tu as pensé afin que tout le monde puisse voir cette chose dans ton esprit. D'accord? Écris bien et en quelques traits simples. Prêtez attention à l'image qui réside dans l'esprit de Néo. Mesdames, messieurs, Néo. A dessiné, mais tu vois, il a réussi à le reproduire. Approchez-vous d'Elric et vous allez lui peindre le ventre, s'il vous plaît, allez-y. Je vous invite à prendre entre vos mains le premier élément. Un pantalon. Un pantalon. De quelle couleur est-il? Rouge. Un pantalon rouge. Sortez le deuxième élément. Des manches. Des manches, oui. Vertes. Et y a-t-il quelque chose avec les manches vertes? Oui. Un ventre de quelle couleur? Jaune. Jaune. Il y a un troisième élément dans l'enveloppe tout au fond. Comment il est de quoi s'agit-il? Pouvez-vous le sortir, le montrer? C'est la cravate. Une cravate. Une cravate de quelle couleur? Bleu. Bleu. Ah, vous êtes daltonien, c'est ton détail. Je vais simplement répéter ce que vous m'avez dit. Vous savez, je dois avouer, monsieur, que vous avez un grand sens de la magie au vu de l'œuvre que vous avez accomplie ici. Mais j'ai autre chose à vous avouer, car à mes yeux, on peut faire encore plus fort. Nous avons donc ici, en effet, un pantalon rouge, une cravate bleue, un ventre jaune, c'est ça, et des manches vertes. Eh bien, sachez que ce matin, quand je me suis habillée, j'ai pensé à vous. Et à l'œuvre que vous alliez accomplir ce soir. Et voyez, monsieur, je me suis habillé
En conséquence... pour faire les photos. Et maintenant, on a deux grandes filles. Une autre photo souvenir. Et on rencontre Noé. C'est presque comme Néo. Thank you.
Est-ce que vous vous adaptez? Très bien. À très bientôt, messieurs dames. Au revoir. Merci. C'était comment? C'était super. T'as aimé? Oui. Tu n'as pas eu peur? Non. Non. C'était quoi le meilleur numéro pour toi? Oui, la dame en deux. Tu as aimé quand il a coupé la dame en deux? Bah oui, en plus c'était faux. C'était faux, c'est vrai? Oui, c'est faux. Ah bah oui, puisque finalement elle n'était pas coupée en deux? Non. Oh non. Tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Dis-moi tout. Il n'avait pas de sang. Ah oui, c'est logique. Ah oui, c'est logique. Mais oui, c'est logique, bien sûr, petit cœur. C'est ça la magie. On a cru qu'il l'a coupée en deux, mais il n'y avait pas de sang. Et en fait, elle n'était pas coupée en deux. Et toi, le grand? Vraiment, moi, j'ai adoré. Ouais. Moi, ce que j'ai préféré, c'était l'hypnose. C'est vrai? Alors, les copains et les copines, vous n'avez pas l'hypnose, malheureusement, en vidéo, parce qu'en vidéo, ça rendait pas grand-chose. Donc, nous, on a pu voir effectivement un joli numéro d'hypnose aussi. Et à part ça? Vraiment, j'ai adoré le spectacle. Ouais, moi aussi. Le truc, c'est très réussi, hein. Vraiment, super. C'est bien comme ça? Alors, Swan, Léo, vous avez bien aimé le spectacle? Oui, super. Oui, ça va? Oui, quand je coupais la dame en deux, c'est vrai que c'était pas mal. Et toi? Moi, c'était l'hypnose. L'hypnose, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui sont fait hypnotiser. Bah, en tout cas, merci d'être venu pour le spectacle, ça faisait vraiment plaisir. Mais merci de nous avoir invités, hein, les garçons. Les copains et les copines, quel est le numéro que vous avez préféré? Et surtout, à bientôt, Jean-Louis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. On vous fait un gros bisou. Vous, ça va tout le monde. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. Allez, on rentre à la maison et on va aller faire... Eh oui, c'est tard.